Alors bien évidemment, j'espère que vous allez bien, tout ça, moi ça va nickel et ça va très nickel aujourd'hui étant donné que j'ai été invitée au studio Harry Potter pour les studios Harry Potter. Oui, vous avez entendu, c'est la deuxième fois que ça m'arrive, la dernière fois j'avais 18 ans, aujourd'hui j'ai 21 ans, bébé grandit vite, je suis beaucoup trop contente. Donc là, je viens de faire une heure de route pour aller à Poitiers et prendre mon train et aller à Paris. Et le point de rendez-vous, c'est à la Gare du Nord avec les gens qui sont invités, t'as capté. Du coup, faut que j'aille là-bas et je suis fatiguée, je me suis levée, il était 5h. Je suis pas psychologiquement prête, voilà. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que j'ai beaucoup trop hâte et ça va être génial. Et ce soir, on va à la soirée d'inauguration des studios. Oui, ça va durer 2 jours en fait. Donc il y a aujourd'hui et demain. Ça va être juste beaucoup trop bien. Par contre, faut pas que je rate mon train. Donc ça serait bien pour commencer. Est-ce que j'ai mon passeport? Pourquoi j'attends en mode j'ai le temps d'attendre dans ma voiture alors que j'ai mon train? C'est parti, on y va. On est arrivé à Londres. La direction, la photographique exhibition. Ça me permet de jouer. Bah non, c'était très beau comme ça, tu vois. En fait, on a une visite guidée et c'est juste beaucoup trop cool. On apprend plein de petits trucs sur les Harry Potter. Regardez comme c'est beau. Ça, je l'ai, mais pas le même dans ma collection. Donc en fait, la photographic exhibition, comme son nom l'indique, c'est en grande partie que des photos, tu vois, de tournage. Regardez comme ils sont choux. Et du coup, là, c'est une preuve que le phénix existe vraiment. Il est encore là. Et ça, vu qu'on va au studio demain, et même ce soir, on le verra, genre ce soir et demain. En vrai, vu que bah, y a le décor du bureau de Dumbledore. Donc là, vous êtes en train de me dire que Emma Watson a mis ses vêtements là. Est-ce que la vitre est dure? Genre, est-ce que je peux la casser facilement pour récupérer les vêtements? Je veux toucher. Non, c'est juste une photo. Regardez, je suis choquée, je viens d'apprendre que là, dans ce plan des films, ça, c'est pas Emma Watson, genre. Ils ont pas pris Hermione, genre, ça, c'est pas du tout Emma Watson, on est d'accord, c'est pas la même personne. Eh ben, ils ont pas du tout pris la bonne personne. Enfin, genre, je comprends pas, et on n'avait jamais remarqué. Vas-y, monte dedans, je vais faire un plan stylé, voilà. Mais, enfin, faut que ce soit stylé. Bon, tu ressors, et tu vas faire en mode gars stylé. Rentre. Action. Action. Il est chiant. Bonjour et bienvenue chez moi. Stylé, stylé. Mais non, faut pas que tu me suives. Attends. Allez au ministère. Là, on va arriver dans une partie assez intéressante, c'est-à-dire le bar de bière au beurre. Et donc, on va manger. Je viens d'arriver à l'hôtel. On a eu 1h30 de minibus et donc là on est arrivé à l'hôtel et donc il est 15h43 et c'est à 18h qu'il y a le bus qui revient nous chercher pour nous emmener au studio et faire la soirée au studio d'inauguration. Et donc là, en attendant, avec Ben, on pense qu'on va aller se balader, mais avant, laissez-moi vous montrer la chambre. Ouais, on dort dans un manoir, vive les fantômes. Là, il y a une armoire, je vais ouvrir parce que, imaginez, il y a des fantômes. Nick, quasi sans tête. Non, il est pas là, tout va bien. Du coup, ça, c'est la salle de bain. Nickel. Ensuite, du coup, là, nous avons un miroir. Là, nous avons le lit. On peut ouvrir les fenêtres? Ah, il fait froid. J'arrive pas à fermer la fenêtre. Bon, bah on va laisser la fenêtre ouverte. Super comme plan. On se retrouve pour aller marcher dans un coup de front. Me revoilà. Donc là, nous sommes allés nous balader dans le parc du manoir. Et regardez le manoir comme il est beau. J'ai le soleil dans la tête. Je sais pas où il va, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est vraiment sympa. Hein. Ça fait parc de Poudlard. J'adore l'ambiance. Regardez comme c'est choupinou. Oh, mais c'est super sympa, regardez. Je me souvenais pas que c'était aussi grand. Oui, parce qu'au manoir, là où on dort, c'était là aussi où on avait dormi quand on avait été invité en 2019. Oh, mais attends, vous voulez pas me parler à cette époque? Bah, à cette époque, on n'était pas amis avec Benjamin, parce que... Mais quoi? Par exemple, là, je vais l'abandonner dans la forêt. Eh, mais attendez, mais regardez comme c'est magnifique. Avec la lumière et tout. Pas sûr que ce soit un chemin en fait. Il y a un papillon, c'est mon patronus. Il est beau, hein. Alors là, on vient de rentrer à l'hôtel. J'ai tellement hâte là d'aller au studio. Et du coup, il y aura Sherry Wallis, la youtubeuse Harry Potter anglaise, dont je suis extrêmement fan. Donc je vais littéralement m'évanouir en la voyant. Voilà, j'ai juste beaucoup trop hâte d'y être. Il est, ouais, 17h24, faut que je me dépêche. On se retrouve à 18h pour partir. Oh, mais oui, faut que je prenne ma douche. Non, mais ça va, j'ai juste ma douche à prendre. Mais j'y vais. Alors, je suis en retard, mais voici la tenue. Voilà, c'est magnifique, c'est le, vous savez, le t-shirt là du tournoi des trois sorciers, c'est impeccable.
Ok, on se retrouve au studio, bisous. Alors, on a eu juste 10 minutes de bus depuis l'hôtel. Déjà, ils nous ont offert une... j'allais dire une cravate, une écharpe. Serre d'aigle, parce que je suis serre d'aigle. Je trouve ça beaucoup trop bien. Ça, c'est notre invitation pour la soirée. Et regardez où je suis. Boum. Donc là, moi, j'ai eu ce truc, c'est vegan, j'ai l'impression. Champignons ail. C'est bizarre, hein. Ok, les gars, la situation est grave. Je viens de passer à côté de Chéri Wallis. Elle m'a regardé dans les yeux en mode, excuse-moi de te bouler dedans. Chéri Wallis est dans la salle, ok. You're from France. Yes. Alors, je suis avec Chéri Wallis. We have the same camera. Right, start again. Let's go. Je suis avec Chéri Wallis. Hello. Hello. I love the Niffler. Look, Hufflepuff scarf. Amazing. It's so nice to have you here. Thank you very much. I love you. I love your video. I love you as well. Give me a hug. Oh. Je fasse la présentation des lieux. En fait, c'est moi qui ai redécoré parce qu'à la base, les ingénieurs avaient prévu des choses qui n'étaient pas assez intéressantes à mon goût. Donc, j'ai décidé de remanier un petit peu tout. J'ai rajouté quelques touches de bois, les cheminées. C'est toi qui as tout fait là. Oui, c'est ça. Et en fait, si tu regardes bien, le serpentin, le logo serpentin est davantage ancré dans la pierre. Bien sûr. Parce que c'est la meilleure des maisons. Conclusion, j'ai dit I love you à Chéri Wallis. Tout va bien. Bon appétit. Regardez, c'est trop chou. Il y a carrément un petit bar, genre, dans le truc de potion. Je fais quand même que de repenser au fait que j'ai dit I love you à Chéri Wallis. Mais je t'ai dit, it is what it is. Thank you. C'est plutôt cool. Chine. C'est. C'est très bon. Il n'y a pas d'alcool dedans. Non. Et c'est de la potion d'amour. Retomber amoureuse. Faut que je m'arrête pour boire, je suis pas multitâche moi. Hello. Ça va? En fait, le troll de Harry Potter 1, il y avait quelqu'un dedans et là, la personne vient d'enlever l'ongle du troll. Je vais crever. Nous voilà arrivés dans la forêt interdite. Attention, 3, 2, 1. Ouais. Elle est belle, hein. Là, nous sommes rendus à une activité. Il y a des petits papiers comme ça sur la table. On va faire le monstrueux livre des monstres nous-mêmes. C'est le but de notre soirée. On peut prendre des petits trucs comme ça? Oh, c'est excellent. En gros, c'est vraiment le livre des monstres qui mange. Regardez, vous êtes jaloux là. Regardez-moi ça, c'est des mini mandragores en chocolat. J'adore, c'est trop mignon. This one, because she's cute. Regardez comme il est mignon. C'est la meilleure mandragore que j'ai mangée de ma vie. Je viens de prendre une deuxième mandragore. Comme ça, je pourrais dire que j'ai mangé deux mandragores dans ma vie. Donc là, Vincent, il est prêt à aller dans le Poudlard Express. Par contre, vous avez vu, je trouve ça trop cool. Il y a vraiment de la fumée qui sort du Poudlard Express. C'est magnifique. Regardez comme on est beau. Je suis toute seule là. Waouh, il est beau, hein. Donc en fait, c'est un petit terrier. Du coup, c'est un terrier pour des petits Weasley. C'est des tout mini Weasley qui rentrent là. C'est joli, vous avez vu, il y a même la petite lanterne d'allumer. Je sais pas si c'est allumé du coup la journée. On verra demain si la lanterne est allumée. Parce que du coup, ça serait logique vu que là, c'est le soir qu'elle soit allumée. Du coup, là, c'est la chambre de Ginny logiquement. Et tout en haut là, c'est la chambre de Ron. Oh, j'apprécie énormément ce que je vois là. Donc là, nous avons le Magicobus, mais ça ne nous intéresse pas. Enfin si, ça nous intéresse, mais je l'ai déjà vu dans ma vie. Ce qui nous intéresse, c'est la maison des Dursley. Cette maison. En fait, c'est qu'ils ont changé la déco à l'intérieur. Du coup, ce que j'ai déjà vu moi pendant mes précédentes visites, c'est plus du tout la même chose. Oh, c'est énorme. Donc là, ils ont reconstitué la scène d'Harry Potter 3. Vous savez, quand la tante marche, enfin, c'est évident. Vous savez de quelle scène je parle, là. Dudley est par terre et je trouve ça excellent. Il y a toute la nourriture, là. Miam. Mais attends, j'avais pas vu, mais il y a carrément la cuisine. Mais c'est excellent. On peut faire la vaisselle, tout ça. Je peux faire la vaisselle de Pétunia. Attendez, c'est qu'on peut voir la véranda de dehors. Ils ont même un petit barbecue. Ils ont un petit jardin. Genre, on peut marcher dans leur jardin. Super sympa. Et du coup, à l'intérieur, on voit la scène. Donc, on voit le dessous de la jupe de la tante Marge. J'aurais préféré ne jamais voir ça de ma vie, mais ce n'est pas grave. Et du coup, là, après, c'est la limite des studios, tu vois, on peut pas aller au-delà. Je vous propose que nous allions dans la serre. Par contre, il fait un peu froid, là. Mais non, mais attendez, mais regardez-moi le délire. La serre de Harry Potter 2, tu vois, avec les mandragores. Regardez-moi toutes ces mandragores. Et dire que j'en ai mangé deux, faut pas que je leur dise. Et là, on a Ron, Harry, Hermione. Plus loin, on a Drago Malfoy là-bas. Mais regardez comme ils sont mignons. Attends, je peux la sortir. Vas-y, viens avec moi, je te ramène chez moi. Non. Allez, reviens. Ah,
J'aime pas te voir souffrir, bébé, je te laisse là. Et là, du coup, on a Drago Malfoy avec sa mandragore. Ici, on a Neville qui va s'évanouir. Et ici, on a le professeur Chourave. Le toit de la serre est juste magnifique, j'aime beaucoup trop purée. Et du coup, la dernière nouveauté, c'est ce truc. Donc là, en fait, ce truc, c'est la fontaine qu'on voit dans Harry Potter 3 et dans les autres Harry Potter aussi. C'est joli avec les nuages, vous voyez, c'est magnifique, franchement. C'est beau, c'est beau, c'est beau là avec les nuages. Je vais prendre une photo. Waouh. Je suis trop contente d'être là purée, mais je vais pleurer. Non, Maïva, pleure pas, on n'est pas encore rendu à Poudlard. Donc là, on arrive dans la deuxième partie des studios. Donc là, c'est un peu plus la partie technique. Là, on a groupe. Là, on a des sombrales. Voilà, voilà. Là, on a le basilic mort. Ça va aller, bébé? Faudra faire gaffe, il y a une petite araignée, là. Ici, c'est toutes les prothèses pour les gobelins. C'est pas du tout creepy quand on les regarde comme ça, du coup. Ouvrez bien grand les yeux. On est seul à Gringotts, ça n'arrive jamais. Oh, j'adore! J'aime trop! Je vis mon rêve de Potterhead, là. Je voudrais retirer mes galions. Nous arrivons à un endroit qui fait peur. Viens là, beau gosse. Ah. Alors déjà, tu te calmes, hein, parce qu'on n'a pas élevé les cochons ensemble. Ah, il me regarde. Il m'en faut peu pour avoir peur. Oh, du coup, on va être tout seul sur le chemin de traverse. Ah non, il y a des gens en fait, j'ai couru comme une débile mais il y avait des gens. Ouais. Je vais vous faire une petite visite guidée du chemin de traverse, ça vous dit? Là c'est pour vendre des chaudrons. Ensuite ici c'est un apothicaire, genre pour vendre tous les éléments pour les potions en fait. De l'autre côté on a Scribe en peine, ici on a le magasin Ollivander. Juste ici on a des petits équipements magiques. Là c'est Florian Fortarome, le vendeur de glace. De l'autre côté on a le truc qui vend des animaux, des chouettes, des crapauds, tout ce genre de choses. Ici c'est Fleury et Bott, donc le libraire. Ensuite, on continue avec le magasin des frères Weasley. Et de l'autre côté, on a le magasin de Quidditch, avec le balai qui vole. Et pour finir, le dernier magasin du chemin de traverse au studio, c'est Madame Malkins. Donc c'est pour la vente de vêtements, en gros, donc t'as des robes de sorcier et tout. Alors, continuons notre visite. Ensuite, après ça, on arrive un peu dans la partie plan et maquette. Tout ce qui a été fait, quand même. Et donc là, êtes-vous prêts? Je vais pleurer dans 3, 2, 1, c'est ma maison. Ça me donne envie de chialer comme une madeleine. C'est dans ces moments-là que je me rends compte à quel point je suis fan d'Harry Potter. C'est genre, waouh, j'ai même pas les mots là, Et du coup, les serres de Poudlard sont juste là, et moi j'ai vu la vraie serre de Poudlard. Mais regardez, toutes les petites lampes elles sont allumées, c'est trop beau. Au revoir le château, je t'aime de tout mon cœur. Bisous, à demain. Là, on arrive ensuite dans la salle avec les baguettes. Et sur les baguettes, en fait, il y a les prénoms de toutes les personnes qui ont participé à la création des films. Juste ici, on a la baguette avec marqué Daniel Radcliffe, donc c'est l'acteur d'Harry Potter. Et juste ici, on a Emma Watson. Je trouve un autre prénom que je connais et après, je sors. Je cherche un prénom. Hello, do you know where the name of Rupert Grint is? Yes, okay. J'ai pas du tout demandé au monsieur, mais regardez, j'ai trouvé Rupert Grint. Rupert Grint est juste là, donc j'ai trouvé les trois du Golden Trio. Je suis contente, je peux partir. Sortons de là. Thank you very much. Thank you so much. On a eu une choco-grenouille en cadeau, et genre l'étiquette, je peux la mettre dans mon jardin et ça va faire pousser des plantes. C'est quel genre de sorcellerie? On se retrouve à l'hôtel dans un coup de front. Bonjour, donc là, je viens de revenir du petit déjeuner, j'ai bien mangé, et je vous ai pas repris hier soir, désolée. Hier soir, c'était trop cool, et donc là, il est 9h20, nous avons rendez-vous à 9h30 au bus, et faut que je fasse ma valise. Et donc là, on va aller au studio Harry Potter, encore, et là au studio, en fait, le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la serre de Poudlard direct, en fait, pour prendre des photos, faire des petits trucs, et après la serre de Poudlard, on retournera au début des studios, on fera tous les studios, hop hop hop, et après, ce midi, on mange à la tea party, au tea time, enfin genre à un truc de thé au studio, ça a l'air sympa. Et donc on va manger là-bas ce midi, et après à midi, on rentre. Devinez qui est encore en retard et qui vient de faire tomber sa valise aussi accessoirement. Direction la serre, on est bien arrivé au studio et donc là on va passer par des petites portes cachées, genre on est dehors en fait. Comment vous sentez-vous en cette journée? Je suis très heureux, j'ai envie de revoir la serre en plein jour, ça va être cool. Merci pour votre intervention. C'était Maïva journaliste. Très solennel, très journaliste. C'est ça. Genre on a grugé les studios. Boum. Oh purée. Je tournerais bien une petite vidéo ici. C'est trop
horrible. Par contre, il est chiant. Regardez la belle fontaine, le beau Magicobus, il n'y a que nous. Ah mais j'avais pas vu hier, mais vous avez vu genre, les racines, elles sortent carrément en mode, elles ont pété les vitres. Ici, ah mais oui, j'avais pas vu hier, mais il y a plein de trucs en dessous là, genre là c'est le truc pour faire la terre. Là on a des mini pots pour des petites mandragores. Oh mais t'as la bouche toute seule. Faut les rempoter les mandragores. Bah oui. Bon, c'est parti pour des petits plans stylés de la serre. De la serre. Maintenant, on va faire la visite des studios. Bisous bébé, je t'aime. C'est parti pour des plans stylés de la grande salle. Donc là, on a la guide qui nous fait une petite présentation un peu de tout. C'est ultra passionnant. Et là, elle va toucher les costumes et nous les montrer. La robe de Luna. Vous avez ses initiales avec son propre logo. C'est avec un rideau. Avec un peu de colle et mettre ça sur son front. Bon, ce que raconte la guide, c'est juste passionnant. Donc je vous laisse avec des plans, là, moi je profite. Enfin, ça va vous faire profiter aussi. Des petits plans. Là, le truc pour boire du thé. Et regardez comme la table est jolie. Il y a des petits sucriers avec... C'est des chaudrons. Waouh. On vient de recevoir les petits plats. Regardez comme c'est trop chou. Waouh. Je me suis pris un petit thé. C'était bien. La boutique. Il est beau, hein. C'est ma cousine. Tu peux lui mettre le doigt dans la bouche? Non. Moi, oui. Ça va? Ça allait, mais là ça va plus. Oh, c'est très beau, regarde-le, sa petite tête là. Bon, bah sur ce, moi je fais mes petits achats, je vous montre pas ce que j'achète. Et bah voilà, on se voit en sortant. Je suis arrivée à Poitiers. Je suis crevée. C'est tout ce qui se passe là dans mon cerveau. Mais c'est une bonne fatigue. Je sais plus parler. C'est une bonne fatigue étant donné que c'était bien ce qu'on a fait. Oh, je suis tellement fatiguée. Oh là là, mais c'était les deux jours les plus intenses de ma vie. Je suis allée deux fois au studio Harry Potter en deux jours. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'était genre juste beaucoup, beaucoup trop fou en fait. Je suis tellement contente. Genre, waouh. Ah, faut allumer la voiture. Bref, moi je vais y aller, il va falloir que je parte. Ah purée, il faut que je mette le GPS, je sais pas rentrer chez moi d'ici. J'habite à une heure de route, c'est-à-dire que là pour le parking, pour descendre, il faut faire zou 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 zou. À tout moment, je permets de rétro parce que je sais pas conduire puisque je suis fatiguée. Mais je vais où moi? Si, j'habite plus au même endroit en fait, j'ai déménagé. Je savais plus où je rentrais. Bon, bah pas de problème. Ok, c'est parti, je vais rentrer chez moi. Bref, moi tout ce que j'ai à vous dire là, c'est que j'ai les yeux pleins de souvenirs génial. On se voit à la prochaine, j'ai adoré ces deux jours, je pense que... bref, c'était génial. Bisous, faites de beaux rêves, j'étincelle à moi.